Et coucou, bienvenue dans ce nouveau vlog, je suis hyper à la bourre ce matin. Je viens d'arriver devant le lycée pour chercher Eric, son petit rendez-vous médical. J'ai tellement bossé ce matin que j'ai même pas vu l'heure, donc je me suis un peu préparée en deux-deux. Comme je vous disais, cet après-midi, j'ai encore des choses à faire, notamment aller faire un petit coucou, une petite surprise à ma maman, donc c'est son anniversaire. Et pour le moment, ça va être Eric et puis son petit contrôle en fait. Nous voilà rentrés, ça a mis une bonne heure entre l'attente et puis la consultation en elle-même, donc il a vraiment tout fait, enfin, sauf le test à l'effort, il va falloir prendre un rendez-vous. Il y a bien une hypertension qui va être traitée. J'ai vraiment bien fait alors de prendre rendez-vous, je savais, sinon bon, dans l'ensemble c'est plutôt correct. Et je sais plus, je vous ai dit, oui, donc test à l'effort à faire bientôt. Voilà, donc ça c'est une bonne chose de fait. Et là, on a grignoté, je m'apprête à aller faire les petites coursettes, le petit gâteau, puis j'irai, je pense, un petit peu plus tôt que prévu chez maman, vu que ma vidéo, j'ai fini de bosser ce matin, et là, c'est quasiment fini. J'ai reçu un petit colis, juste avant de partir. Oh, énorme, mais elle est super lourde, j'adore. Mode trotteur. Purée. Ah, elle est super jolie. Je vous la montre dans cette vidéo ou pas? Ouais, je crois. Et coucou mon bébé. Oh, comment ça va? Donc, monsieur a cassé la poubelle. Vous savez, ma belle poubelle que j'avais achetée chez Jiffy? Eh bien, il l'a cassée. Mais vraiment. C'est-à-dire qu'elle ne se ferme plus. Il est allé fouiller. C'est du délire, ce gars-là. Ben oui, les bêtises. Que des bêtises, tu fais. Ah oui, bah si. Moi je le dis, c'est des bêtises. Bon, déjà ce qui est sûr, ça va finir en déco. Elle est super jolie. Donc voilà, c'est la prescription lab du mois d'avril. Et c'est parti. Il y a donc le prescripteur, c'est le petit mag avec en couve le groupe Brigitte. Et à l'intérieur, on trouve des interviews, des petits conseils beauté, des descriptions sur différents produits à tester, à découvrir. Alors, pour le premier produit, c'est un lavant pour les mains, mais qui est exfoliant. Donc ça, c'est plutôt original. Moi, j'ai eu fleur d'oranger olive et apparemment, on pouvait avoir également figuier olive. Aussi doux qu'une fin d'après-midi en Provence. Et vous voyez, on voit tous les petits grains qui vont venir exfolier. C'est la première fois que j'ai ça. Ensuite, bon, c'est un format échantillon voyage. Sanoflore, excellente marque, masque de nuit, donc ça c'est une bonne chose, moi j'adore nourrir ma peau intensément la nuit, qui va venir régénérer, baume aromatique. Je trouve, c'est une lotion démaquillante, pure merveille, l'odaïté, très très bien, 200 ml, et ce qui est bien, c'est que c'est pas nécessaire de rincer, donc ça c'est cool, appliqué sur visage et cou à l'aide d'un coton, ça va venir purifier, démaquiller, et se révèle soyeux et apaisant. Et le goodies, donc c'est le partenariat mode trotteur. C'est sympa la présentation. C'est donc un t-shirt. Voilà, il y a les petites inscriptions. Et ils ont gravé folie douce. Moi, je le porterai, je pense, en faisant un petit nœud au niveau de la taille. Pour ceux qui seraient intéressés, je vais vous glisser un petit lien de parrainage dans la barre d'infos pour bénéficier d'une réduction. Mais c'est uniquement pour les nouveaux abonnés. Voilà pour la petite box du mois. Et là j'entends Eric, parce qu'il est pas loin de 14h, qui reprend le boulot. Et ben moi je vais enchaîner. Je vais aller tout de suite acheter les gâteaux et puis je vais peut-être appeler quand même pour savoir si elle est là au moins. Ma maman, parce que j'ai appelé tout à l'heure, mais il n'y avait personne. Je vais chercher les gâteaux. La pâtisserie que je voulais, elle est fermée, on est lundi. Bon. Je vais vous prendre alors un gourmand. On va se régaler. Ah, les chocolats sont sortis. Je peux vous dire qu'on va se régaler. Je suis passée chez Nocibé pour tester un rouge à lèvres. C'est le Color Pop de chez Clinique. Oh, il est plutôt joli et ce qui me plaît, c'est que tu sens qu'il hydrate quoi. Il tiraille pas. Je vais voir comment ça évolue. Ah, c'est hyper agréable quand il fait beau ce petit jardin. C'est cool. Voilà tout ce qu'il y a.
Il y a quelqu'un? Waouh, elles sont super belles. Bon anniversaire, maman! C'est le moment des gâteaux, regardez. Alors, il y a un. Bah, celui-ci, c'est un petit peu comme. C'est à base de macarons, hein, comme un éclair. Amandine, c'est. Amandine, bah, c'est avec de l'amande, mais des poires, je crois. Tarte aux fraises. Et celui-ci, j'avais déjà goûté. C'est super bon. Je vais peut-être vous montrer un petit peu aussi ces petits cadeaux. Oh, mais non, elle est en train d'étaler ce qu'elle a reçu, ses cartes postales et tout. C'est un des parfums que j'aimerais porter. Ils sont tellement beaux, l'eau vive. Si vous avez l'occasion de le sentir, son rouge à lèvres et pochette. Et Yves, toi, tu lui as pris un bon d'achat dans un magasin de déco. Ça va être sympa. Et vous avez vu, c'est la fameuse pochette. On s'en fout, hein, elle le sait. 2,99€ chez Action. Franchement, les filles, les garçons, foncez parce qu'elle est magnifique. Superbe. Ce genre de pochette, moi j'en ai vu notamment dans des boutiques un peu luxe à Saint-Martin. Facile 40, 45, 50 euros. Il est 6h20, je suis rentrée. Elle était vraiment très 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 contente de ses petits cadeaux et puis bah, que je sois passée. Hein. Gâteau excellent. Par contre, je suis rentrée, je suis prise d'une migraine. C'est chiant parce que je comptais m'avancer sur l'ordi, mais non, c'est pas une bonne idée l'ordi quand t'as une migraine. Ça commence à sentir le régime, tout ça. Donc ça, c'est pour Eric. Haricots verts, champignons et un petit steak haché. Et moi, c'est, vous savez, c'est les petits pavés, steak végétal ou chèvre, miel, je crois, et un œuf. Je vais quand même me faire ma petite soupe. Alors, cette soupe, c'est assez rare, c'est vrai. Mais de temps en temps, pour dépanner ou quoi, je vais chez Lidl. Et j'ai trouvé cette soupe, donc il y a pas mal de soupes sympas, je les ai scannées, c'est excellent en plus, donc bah parfait, rayon bio. Je vous retrouve le lendemain, ben oui, j'ai pas clôturé, tout simplement parce que bah, la migraine était vraiment, vraiment trop intense. Vous savez, c'est la migraine nauséeuse, donc t'es bonne à rien, tu peux faire que ça. Voilà, comme ça. T'attends, sur le canapé, que ça passe, mais on le sait tous, enfin on le sait tous, ceux qui sont migraineux, ça passe pas comme ça. Moi en général, il me faut une bonne nuit de sommeil par-dessus et... Ben voilà, aujourd'hui je me sens super bien, j'ai pris mon petit café serré parce que ouais, si jamais vous êtes sujet aux migraines comme moi, cataméniale, donc hormonale, je vous invite à prendre un café serré dès le matin, juste avant que ce soit trop trop intense. Et si c'est vraiment trop intense, vous combinez votre café serré, espresso, tant qu'à faire, avec un paracétamol 1000. Franchement, vous attendez 3 quarts d'heure et vous allez voir comme par magie. Ça va beaucoup mieux, en tout cas sur moi ça marche. Bon, bien sûr je le fais pas très souvent, le café tous les matins, mais le paracétamol non. C'est vraiment quand c'est insupportable. Bref, je vais enchaîner là sur deux petits tournages. Une pour la chaîne des box, une box, et l'autre pour ma chaîne. Et ça sera une vidéo pour demain. Donc il n'y aura pas de vlog demain, il y aura une vidéo face cam. Et voilà, donc après on reprendra normalement le cours des choses, les petits vlogs. Là je vais aller grignoter et je vous reprends juste après pour clôturer ce vlog. Je me dois quand même de vous montrer ma petite tenue du jour, même si je pense que vous n'êtes pas prêts. Attention. Hop, on aperçoit un petit pied, des chaussettes. Un pantalon de pyjama, que vous reconnaîtrez peut-être. Et... Tadam! Voilà. C'est vraiment ma tenue décontracte de la maison avec le petit crop top. Je suis bien dedans. Hein. Je pense que vous allez vraiment vous dire que je mange toujours la même chose. Et c'est vrai qu'en ce moment... Bah, soupe, mais c'est quand même des soupes gourmandes. Il y a ça, je rajoute mes flocons qui sont croustillants, flocons de riz, un peu de gruyère, des croûtons, franchement c'est cool. Et puis bah mon chavroux, franchement ça me suffit, il n'y a aucune privation. Mais non, tu es trop mignon. Tu l'as réveillé? Mais non, il me regardait déjà, je l'ai pas réveillé. Je t'ai pas réveillé? Bah oui. Tu vas me laver ça, c'est pas très très propre. Hein. Et bah c'était très bon. Je vais clôturer ce petit vlog comme je vous avais dit maintenant. Je vous invite, si ce n'est pas fait encore, à mettre le petit pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes mes petites aventures. Je vais vous retrouver demain, comme je vous disais, pour une nouvelle vidéo et je vais vous faire un gros bisou. Voilà. Salut!